Bonjour à tous, nous sommes le samedi 30 mars 2024. Nous sommes ici à Paris dans le 14e arrondissement, plus précisément sur la place l'abbé Jean Leboeuf. La nation française organise une marche commémorative du 6 avril 2024, journée où Papa Simo Kimbangu a commencé son travail. C'est également une occasion pour nous de nous rappeler qu'il y a 40 ans, plus précisément le 30 mars, l'église kimbanguiste à travers l'association EJCSK a commencé ici même en France, à Paris. La marche va bientôt débuter. Nous voyons différents protagonistes qui commencent à s'organiser. Nous vous souhaitons une belle journée en compagnie de la Presqui et de la Ratelki. Nous sommes avec Papa Kunka Maleka qui est le vice-président national de l'Union de la jeunesse kimbanguiste et secrétaire adjoint de la fanfare kimbanguiste. Papa Kunka Maleka, qu'avez-vous à nous dire quant à l'organisation de cette journée et pourquoi nous sommes là? Alors, merci maman Nel. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer deux événements. Le premier événement, c'est celui marquant le début des festivités du 6 avril. Le 6 avril qui est la date la plus emblématique de notre église. C'est le 6 avril que notre communauté religieuse, notre église a été créée. C'est le 6 avril que Papa Simo Kimbangu a commencé son ministère. Et aujourd'hui, ça fait 103 ans exactement depuis la création de l'église. Mais le 30 avril, le hasard du calendrier sans doute, c'est également, ça marque également les 40 ans de la reconnaissance officielle de l'Église en République française. Donc ces 40, c'est le chiffre de la maturité. Et à ce titre, nous avons voulu aussi bien célébrer les 40 ans, mais aussi marquer avec face les préparatifs du 103e anniversaire de l'Église en France. Hasard du calendrier kimbanguiste, comme vous l'avez annoncé, le 30 mars également, nous célébrons les 40 ans de l'église kimbanguiste. D'où est venue l'idée et comment s'est organisée cette journée, papa? Alors, déjà, excusez-moi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes l'organisation technique de l'événement. Mais le projet en soi, il a été initié par le pasteur national. Le pasteur national qui a demandé que, dans le cadre de l'UJIKI, que l'on puisse prendre la gestion de ce projet-là. Donc voilà pourquoi, au premier abord, on aurait l'impression que c'est une marche organisée par l'UJIKI, mais nous avons eu la charge techniquement d'organiser les choses, mais l'initiative est venue des responsables nationaux de l'Église. Et donc c'était, forcément, il faudrait que 40 ans, ce n'est pas un chiffre anodin. 40 ans, c'est sans doute le chiffre de la maturité. 40 ans, certains pourraient dire qu'en 40 ans, nous n'avons sans doute pas fait un grand pas, peut-être en termes physiques de ce que l'on pourrait voir de façon palpable, mais j'ai juste une image qui me vient. Il y a 40 ans, il y avait combien de kimbanguistes? Il y avait peut-être une poignée, il y avait peut-être une cinquantaine, mais 40 ans après, nous sommes peut-être 10 fois ce que nous étions au départ. Donc même si le verre n'est pas plein, mais on ne va pas se contenter de le voir à moitié vide, mais il faudrait également l'apprécier à moitié plein. Merci beaucoup. En prélude de cette merveilleuse journée du 30 mars 2024, nous avons avec nous le révérend pasteur Charles Wankana qui va nous dire quelques mots par rapport à cette journée des lancements d'activités et les 40 ans de l'église kimbanguiste en France. Révérend, qu'avez-vous à nous dire? Je commence par remercier vous en particulier, maman, et toute l'équipe de la presse ici devant, pour parler de cette journée mémorable. D'aucuns ne pourra se douter qu'ici en France, nous kimbanguistes sillonnons ce pays. En tout cas, nous avons passé beaucoup de temps ici à sillonner la France, en particulier la région parisienne. Et aujourd'hui, il est en tout cas impérieux que nous puissions célébrer cette journée pour commémorer ce double événement
à savoir les 40 ans de l'existence de l'église kimbanguiste ici en France, et aussi lancer les cérémonies de célébration de la date du 6 avril, marquant le début du ministère de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu. Voilà, cérémonie qui va prendre son ampleur ici en France, mais plus précisément au Congo-Kinshasa et en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci, papa. Quel est votre sentiment? Quelle émotion vous avez aujourd'hui? L'émotion ne peut être que très, très grande. Regardez où nous sommes. Nous sommes dans un pays, je dirais un pays des Blancs, c'est la France. C'est l'un des pays qui nous a colonisés, l'un des pays qui a fait en sorte que l'homme noir soit asservi. Et aujourd'hui que nous sommes ici sur place, nous sommes les ambassadeurs que Papa Simon Kimbangu a voulu que nous puissions représenter ici en France pour porter haut son nom, porter haut son idéologie et toutes ses valeurs. Voilà la raison principale de l'émotion qui peut nous habiter en ce moment. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes ici avec le révérend pasteur Mvula. Papa Eddy, qu'avez-vous à nous dire quant à cette journée? Déjà vous présenter et nous dire quelle est votre émotion et pourquoi nous faisons cette marche. Oui, nous sommes très ravis et très contents même pour l'organisation de cette marche qui marque un grand événement du 6 avril. Le 6 avril 1921, c'était quand même une récupération de l'homme noir par rapport à sa vie spirituelle. Alors, aujourd'hui, comme le gouvernement congolais, donc de la RDC, a fait mention de la reconnaissance de cette journée pour que l'église kimbanguiste, la population congolaise de la RDC plutôt, puisse manifester, c'est-à-dire organiser des festivités pour cette journée qui est commémorable par rapport à la décision du chef de l'État de la République du Congo. Et nous aussi en France, nous avons aussi organisé cette marche, prévu cette marche, organisé cette marche, c'est par rapport aux festivités du 6 avril qui est déclarée journée chômée payée en République démocratique du Congo. Nous avons, par exemple, certaines révélations. Papa Kimbangu a dit en 1921 que les jeunes vont monter les montagnes, des montagnes. Alors, on sous-entend que nous, jeunes qui sommes ici en Europe, nous avons monté cette montagne. Alors, il est à nous aussi de pouvoir faire une manifestation tout à fait correcte pour une réjouissance par rapport à la date du 6 avril qui est commémorée partout où se trouvent les fidèles kimbanguistes. Merci beaucoup, révérend. Mbula ezali ko beta kasi tozali ko mona bandeko na biso bazali ko yemba ba pied gauche ba telemi tokangami na bandeko na biso ya perneti. Si vous êtes en France, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ballon. Et avez dit que vous avez dit que vous avez dit perneti perneti. Avez dit que vous avez mon centre. Nous avons ballon que vous avez dit boussole. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Yabilaka ya papa qui solokele, papa dialunga na papa dange na kutimba. Ya ngone mokokisa bilaka papa simon nganga na sokokisa bilaka lelo za makom mokola libérateur. Mokolo to ko libérer biso. Banato ya na mokilo ya France, na Europe. Tutayi sambela awa na perneti. Esika oyo papa solokele za ko lemba biso. Mabota na mabota. Oy esika bana ono chozo beta faki ya mike babota ma bakoli lelo oyo. Mais tu as banga te pour la biso to yebi ke ya mokole sengo ezali wazarte pour na le to ko ma le 30 mars 2024
Mukolo ya isengo, merci beaucoup maman. Tozali pe awa na bandeko oyo bazalaka na tangu wana ya Pernetti. Esengo nini ezali kati na bino emotion na bino mukolo ya lelo papa Jean Kabedi. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Ezali na biso esengo mingi na mokolo mwa lelo. Oyo tokanisi à l'époque ya Pernetti et en plus e coïncidé na lancement ya fête na biso. Il y a Papa Simon Kimbangu, il y a le 6 avril. Tozali, la deuxième nation par rapport à Oelekagi jeudi dans RD Congo. Nous, nous sommes la deuxième nation. Oyoto Pesi coup d'envoi pendant le 6 avril et coïncidé dans le 40e anniversaire. Il y a Bissoua en France, il y a Ebandeli, il y a Lingomba, la 4e qui est l'Europe. Et Zali et Sengo, pourtant, voilà, Tozali va bilingue. Donc ça fait plaisir, tous en abago et longo. Maman, na moni yo, ozali na esengo mingi, eloko nini ko ekoloba na biso. O komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Vraiment na émotion parce que leoto ko si 40 ans, ozali première et paroisse na biso ya il y a France, tu ressembles à la Pernetti. Donc, tu as une émotion. Dans ton rencontre, le bâté, Papa Simon, sois le Koumou. Sois le Koumou, Nayo. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Fantamie. Bissomon, on a Congo. Chômé, payé. Oh là là, mon Dieu. Non, mais c'est en plus, si Bissom permission, tu as la marche. Tu as la marche. Papa Simon qui mange à Zali Nan. Papa Simon qui m'a l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ en a promis, Tagibatou. Je vais vous envoyer, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Il est venu à Sali, Makamoussia, Nengenandenge, et Pesibatou Kanda. Bisomoko Karabutu Mundu, Tolingago, Mona Muninga Sali, Kamamala Mte, Bakero Funda na Moulamatad. Moulamatad a tiré la prison 30 ans, il n'a rien fait de mal. Pas provoqué par ma camarade 30 ans de prison et il avait promis que nako bota makali susu aujourd'hui akeya beti maboko bo embala misatu na mpanzi nae a beti kote msusu alobi na mabumwa bana na ngami satu moko ya kobota mwana mobali c'est moi qui va me réincarner et donc aeko bota malisusu na ntota papa simo ki mankangani lelo azoko kisabilaka nyonso alakaka biso mais nous sommes très contents d'être aujourd'hui. Nous sommes très heureux de fêter. Maman, tout le monde est fait. On a eu un bon appétit. Mon corps est bon, ta manali boumou. Continuez, maman. Et là, on a eu un bon appétit. Je suis 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 un bon appétit. Papa suis un bon appétit. Je suis un bon appétit. Je suis Papa là qui na prison na Lubumbashi a lobi ke na ko bota malisusu na mabumwa bana ya basi ya bana na ngamisatu na ko bota manali bumwa moko wa loko nini boko lakisa na mokili mukolo ya lelo pona ko sukisa pona ko sukisa mukolo ya lelo to ye ko lakisa na mokili ke le 6 avril ezaki mukolo papa simo ki manga bana musala. Andi mina nkolo Yesu nkolo Yesu atunie musala oyo alobi na nkolo Yesu na mayele te na tangite yozo pesa nga musala possible alobi kende moyena pesa ngona mtu mususu ezate po akotiela nga batembe donc yo kaka mtu na ponyo sala musala oko sili sangoti na suka alobi na kozala na yo kende na kozala na yo donc mukolo alleluya le 6 avril eza mukolo moko munene na kimbangiste karate mutu mwindu nyonso. Yebake, consolateur a yaka Simon Kimbangu. Kombo na ye Simon Kimbangu. Aujourd'hui réincarné en Simon Kimbangu Kiangani. Bisoto yeko tambo la pona ko laksa mokili ke mukolo alelo, likamba munene salamaka na mokili mobimba. Voilà maman journaliste. Merci beaucoup maman.
ngonga ekoki po ete maman apesa biso libondeli ya suka po ete tokwa kozonga na bandako kasi tokobosa na te tozali bakimbangise est-ce que basiloka na biso tobosa nyango kimbangisme oye oye kimbangisme oye oye kimbangisme oye 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 espoir du monde église universelle France oye oye France oye oye France oye 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 mon témoin y a papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye 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 papa Simon Kimbangu Kiangani mandavela wasola walevisola kakaeka yani kaka merci to sali mosala ndenge sengelaki nzambe ndenge apesili biso yango moko na moko asala témoignage kati na ye lelo ezalaki mokolo oyo mvule linga kobeta toute la journée mais ebeti na butu mobimba ekomi na ngonga moko etali bana elobi te sino te bakoloba malili to pasi akati mbula na ele tokozonga na ndako ezongi lobi tomona na banda kwa nzambe na ngonga malamu po ete tokumisa to sanjola tozwa mapamboli toyokani ya nde soki tokomi na esika wana tokopesa maloba na mama na biso po ete akwa kozongisa biso na bandaku na kombwa tata mwana pe tata Moliyo Mosanto amen. Zambé Nabiso, Kuzonga ki Namboka Kinshasa, au transité le 3 au Kotaki Namboka Yerusalem. Le 6 avril, Oyo Bandaki Moussala Nayo. Nzambé Nangaï Nani Ayebaki, et Likambo et Bino Bomone la ki Pasi, Biso Tokoko Misayangoti na Poto. Bo utilise Biso Batu. Oyo nzambe olobaka kati na mutu ya solo nzambe nanga musala na yo monani malgré ba turbulence ya ndenge na ndenge tozali na yango mais tozane likete longe zali po yo nzambe okolonga kana yo kaka tala esengo ya bana na yo tala motivation ya bana na yo batiki ba occupation na bango ya ndenge na ndenge na mukolo ya lelo ba ya kokumisa yo nzambe na biso Papa kobosa na bisote. Kandisela mwana moko moko. Mingi to ye awa to zana ba maladi ya ndenge na ndenge. To meli ba kisi. To zui ba traitement ya ndenge na ndenge papa. Pambo la biso. Pamba te bo poni biso to sala kati na ilanga na bino. To yaki na kimia. Tangwe kokito zonga na bandaku. Zongisa moko moko na kimia. Na ndenge to bimelaki. Pambola maboko na biso poto tonga Yerusalemu. Kimia tosengi na banzoto na biso pe milimo na biso. Oye lingi bino banzambe tika yango esalema na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Tokende malamu. Nous sommes ici avec papa évangéliste national de l'église kimbanguiste en France, papa Jean-Marie Diloubenzi, qui va nous donner ses impressions. Papa, comment vivez-vous cette journée? Merci, maman journaliste. C'est une journée événementielle qui permet à nous qui sommes enfants de papa Simon Kimbangu de monter au travers de la nation française cette journée du début du ministère de papa Simon Kimbangu. C'est le prélude même de cette journée du 6 avril 1921. Donc, nous sommes en train de fêter le 103e anniversaire
du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit. Merci, Papa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la commémoration du 40e anniversaire de l'Église ici en France? Je dirais, nous ne pouvons même pas parler du 40e anniversaire, d'autant plus que l'Église Kimbanguiste a commencé bien avant. Si nous tenons compte des pionniers de cette Église, qui sont le papa, le révérend pasteur Mawawa, il nous parle de 49 ans. Voyez, donc l'Église Kimbanguiste réalise à peu près un demi-siècle. Et aujourd'hui, voilà, nous nous retrouvons là pour hisser bien haut la bannière de la dignité de l'Église Kimbanguiste en France. Merci beaucoup, papa. Ici, nous sommes avec le professeur Simon Wangani, qui est le représentant du cabinet ici en France. Nous allons prendre ses impressions par rapport à cette merveilleuse journée du 30 mars 2024. Papa, comment vivez-vous cette journée ? Merci pour la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis papa Simon Wangani, conseiller au cabinet du chef spirituel. Alors, nous sommes ici à Paris, le 30 mars 2024. C'est une journée de lancement des festivités du 6 avril 2024. Donc c'est un moment grandiose. Donc l'ambiance est vraiment très bonne. Donc c'est une marche qui consacre la journée du 6 avril, qui est une date officielle au sein de notre Église. C'est la date de la reconnaissance officielle de notre Église, l'Église Kimbanguiste. Alors, donc, cette année 2024, c'est une année spéciale, parce que la date du 6 avril 2024 a été reconnue par le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, comme étant journée fériée, chômée et payée en République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup, papa. Quelle émotion vous anime à cet instant ? L'émotion, je manque même des mots. Donc, l'émotion, c'est bon, ce que je peux dire cette journée, c'est la reconnaissance du combat du chef spirituel, enfin, du combat de Papa Simon Kimbangu en 1921, qui est notre Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a marqué le plus, depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée, les Français étaient émerveillés, surpris de nous voir en tenue. Et il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à notre Église. Voilà. Donc, l'émotion, c'est que les gens commencent à reconnaître petit à petit l'Église Kimbanguiste. En 1921, lors de sa dernière prédication, Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre, en Bazasanda, il avait prédit qu'il y aura, à l'avenir, il ne restera qu'une seule église, c'est l'église Kimbanguiste. On y va petit à petit, c'est une promesse de notre Dieu. Toutes les confessions religieuses disparaîtront. Il restera qu'une seule église, c'est l'église Kimbanguiste. Voilà, nous sommes à Paris, nous sommes ses ambassadeurs. C'est pas pour rien que nous sommes ici en France. Ça, il avait prédit aussi en 1921, nous sommes en mission d'évangélisation en France. Voilà. Merci beaucoup. Tobanda Kikoloba, nation française, a organisé marche na Paris. Ba fidèle ya France baye tozali awa na papa Lusikila pasteur na province to na ville pardon ya Rennes papa Lusikila oyé na Paris mukolo ya lelo ya les 30 émotion na yo zandengenini événement oyo pona yo elingi koloba nini. Merci. Eza férié na Kisasa, la République démocratique du Congo. Ils ont férié Mukonjamboka
a décrété qu'il y a un mot qui est à férié, chômé, payé. Biso a appelé tout ça, les marches pour n'a ma camboyango. Merci papa. Et l'ikien a eu zanini pour na avenir ya lingomba awa na poto. Tomoni centenaire et yaki. Tozo yoka 40 ans ya église kimbangiste na poto. Siko et l'ikien a eu zanini pour na église kimbangiste na poto. Et l'ikien a eu zali ke batu nyonso ba okota na kintuadi. On a sans faute. Bat union sur Baokota Nagin Touadi. Oh, papa Simon qui m'a en Kiangani à Zanzambe. Merci, papa. Nous sommes ici avec le pasteur national de la République française, l'église kimbanguiste en France. Son représentant, c'est papa, révérend pasteur. Va Tousi Diwanzunga Saint-Marcel. Papa pasteur, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui par rapport à cette manifestation? Par rapport à cette manifestation, je n'ai pas vraiment beaucoup à vous dire. Je pense que vous-même, vous avez vécu, vous avez vu ce qui s'est passé. Si nous nous sommes retrouvés ici, ce n'est pas parce que ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu nous l'avait déjà prédit. Nous sommes ici dans ces pays pour évangéliser, le faire savoir qui est Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Donc nous sommes venus festoyer, commémorer la fête du 6 avril qui s'approche à grands pas, plutôt, la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on a mis les fidèles, nous tous qui suivons Papa Simon Kimbangu dans la rue pour glorifier. Et faire voir aux gens que Papa Simon Kimbangu a vécu et il est le Saint-Esprit. Merci beaucoup papa. Autre chose, nous avons entendu tout au long de cette marche que nous commémorons également les 40 ans de l'église kimbanguiste ici en France. Qu'attendez-vous des 40 prochaines années s'il arrivait à venir une autre marche? Qu'est-ce que vous attendez des 40 ans à venir de l'église kimbanguiste en France? Votre souhait du moins. Oui, maman journaliste, je dirais le 40 ans de l'église ici en France. Souvenons-nous le premier mois ou le premier jour que l'église avait commencé ici en France, ce n'était pas dans cette ampleur. N'est-ce pas? Mais le 40 ans, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Et 40 ans après, ça sera encore plus. Peut-être l'Église occupera toute la République française. Vous voyez? Parce que là, maintenant, si vous regardez bien, on a fait une marche à plus de 2000 personnes. Mais alors, 20 ans, 30 ans passés, il y en avait moins. Et 40 ans après, il y en aura encore peut-être fois 3. Donc je suis persuadé, que je suis optimiste même de vous dire que nous en aurons plus et peut-être on va occuper toute la République. Merci beaucoup papa. Autre question, vous avez parlé du lancement des activités, des activités du 6 avril ici en France. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? Qu'attendent les fidèles kimbanguistes? À quoi peuvent-ils s'attendre dans les jours à venir pour commémorer cette journée du 6 avril 2024? Oui, mais le 6 avril 2024, c'est dans une semaine, si je ne me trompe pas. Ben, moi, je pense que c'est clair et ça se voit déjà. Avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, ça, ce sont que des signes avant-coureurs. On sait ce qui va se passer le 6 avril, si je ne me trompe pas. Nous avons le 2 et le 6. Et c'est le commencement du ministère de Papa Simon Kimbangu en Kamba en 1921. Nous allons les commémorer avec faste.
Il faut que tout le monde sache que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le créateur de l'homme. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous donne cette vie, les souffles de vie. Nous allons le faire et en plus, nous préconisons. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas d'église, on n'a pas de locaux, on n'a pas. Mais peut-être demain, c'est lui-même qui va nous inspirer pour en avoir. Et j'en suis sûr et persuadé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les fidèles de la République française? Les fidèles kimbanguistes. Ici en France, s'il faut leur dire quelque chose, c'est que Papa Simon Kimbangu attend de nous. Bolingo Mibe Komisala. Mettons-nous au travail. N'est-ce pas? Travaillons et construisons surtout Nkamba. Parce que nous, si nous sommes là, c'est pour travailler et construire Kamba. Si Kamba s'est construit, nous serons bénis et notre progéniture, tout le monde sera béni. Donc, ce que je dirais à tous les kimbanguistes ici en France, on dort ici, mais il faut toujours penser en Kamba et construire Kamba avec ce peu que nous gagnons dans nos sueurs. Essayons de faire tout pour construire une Kamba pour que nous ayons la bénédiction. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, Papa Révérend. Nous sommes ici avec un personnage haut en couleur, vêtu de différents prototypes et logos de l'église kimbanguiste. Nous allons le laisser se présenter et nous parler de cette journée et surtout de ses impressions. Merci ma très chère consoeur, Maman Nel. Au nom de Papa Kisolo Kele Lukelo, Dieu le Père, Papa Dialunga Nakenga notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, Papa Dienguenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Papa Simon Kengani. Maman, je suis dans l'émotion. Parce que, en suivant le parcours que nous avons suivi, partant de la place de l'abbé Le Bœuf. C'est un abbé, hein, ce monsieur. Hier, je me suis fait plaisir de regarder son historique. Qu'est-ce qu'il était? C'est un monsieur qui a œuvré dans le cadre du ministère du Christ Jésus. C'est un auxerrois, il est de la Bourgogne. Et après, rue de l'Ouest, donc le où était donc l'église, quand à l'époque, le pasteur Maury, de l'église réformée de France, avait aidé Papa Wawa afin que l'église soit reconnue en République française, dans la métro Pernetti, mais c'est la rue de l'Ouest au 95. Après, on a pris la rue de l'Ouest. L'Ouest, ça veut dire l'Occident, où nous sommes venus pour apporter le message du Christ justice, vrai, véridique, le Christ vrai. Et surtout, son père, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Après, donc, rue de l'Ouest, nous avons eu la rue, le général Pernetti. Général Pernetti, on a pris la rue Verson-Gétorix. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la France, nous savons qui était Verson-Gétorix. Après Verson-Gétorix, nous avons poursuivi vers la rue qu'on appelle l'Assomption. Bon, bref, maman, je ne vais pas faire le descriptif, c'est un peu long. C'est « Je suis emporté par l'émotion ». En tout cas, merci. Merci, merci à sa divinité, déjà, de nous avoir donné la force. Papa Pasteur a dit tout à l'heure que le temps était nuageux. La météo, les prévisions météorologiques étaient que Paris était pluvieux. Mais sa divinité a dit non, 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 mes enfants vont travailler pour moi. Il faut que Braque puisse se calmer. Ainsi, le Braque a obéi et il a laissé faire nous, ses confrères, ici sous le soleil, de travailler. Donc, je suis dans l'émotion. C'est vrai que la date, l'anniversaire, d'aucuns disent 40 ans, d'autres 49 ans, c'est un peu polémique, mais en fait, ce qui est certain, c'est que quand j'ai l'arrêté de reconnaissance de l'église à la préfecture de police de Paris, c'était le 30 mars 1984. Donc, jour pour jour, ça fait exactement 40 ans. Et sa divinité nous a recommandé, en même temps, de célébrer cette date aussi bien fondamentale pour le peuple de l'humanité. Parce que le 6 avril, le mercredi 1921, Papa Simon Kimbangu,
commencé cette action qui consistait à restaurer l'humanité dans les dispositions initiales, c'est-à-dire avant le coup de tête de l'Éden. C'est le travail que aujourd'hui qui se perpétue. En tout cas, maman, je suis dans la joie. Bon, ce matin, mon Congo, qui essaye ma yang, mais n'aime mon tima. Kadi, si nous avons un devenir là, mon lunga nazinina. C'est-à-dire les promesses que Papa Simon Kimbangu avait bien annoncées sont en train de s'accomplir en nous, ses enfants, qu'il envoie en tant qu'ambassadeur en Occident. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons à la fin de notre journée du 30 mars 2024. Journée de lancement des activités du 6 avril 2024. Journée reconnue, fériée, chômée et payée en République démocratique du Congo. Et journée commémorative du 30 mars 2024 des 40 ans de l'église kimbanguiste ici en France. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette marche. Nous remercions nos amis de la presse. Sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, nous ne pouvons pas avoir les merveilleuses images que nous avons. Nous pensons à nos amis de la presqu'île Saint-Denis, à sa tête Papa Nadi, ainsi que toute son équipe, à nos amis de la presse de Saint-Ouen, à la tête Papa Pek Moulumba, ainsi qu'à la radio-télévision Kimbanguiste. Nous espérons vous retrouver prochainement. À bientôt, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.